Fort de l'étude de trois textes, on connaît l'objet de la satire, les hommes de pouvoir. À la même époque que Verlaine, Rimbaud semble lui rendre hommage avec un titre à la musique, qui est le dernier texte du corpus. Je l'ai coupé volontairement, puisque les trois derniers quatrains ne paraissent pas très pertinents pour l'analyse de la satire. Nous allons nous concentrer sur les six premiers quatrains. Alors nous allons repérer quelques mots qui sont en rapport avec la satire. Le mot mesquine, poussif, bêtise, jalouse. Alors, dans l'autre quatrain, pas vraiment. Dans le suivant, on a les gros bureaux bouffis, le mot traîne, grosse. Après, on va passer encore au quatrain suivant. Des clubs d'épiciers retraités, c'est pas très valorisant. La suite, non. Enfin, le mot rondeur, un bourgeois bedaine flamande. Et le sixième quatrain. Ricane les voyous et peut-être le mot piou-piou qui n'est pas très valorisant, désignant des soldats. Comme nous l'avons vu dans les textes précédents, nous allons nous intéresser aux personnages dans le poème de Rimbaud. Alors, dans le premier quatrain, on a les bourgeois. Ensuite, on a un notaire, on a des rentiers avec leur épouse. On a ici un club d'épiciers retraités qui désigne des marchands d'épices. Ensuite, on a un bourgeois. Et enfin, les voyous, des soldats, des bonnes et des bébés. Alors pour reprendre les personnages, les bourgeois, le notaire, les rentiers, les épiciers retraités, et encore à nouveau un bourgeois, on voit bien que c'est une classe aisée, qui est oisive et qui profite de son argent, finalement, sans travailler. Il y a même quelques voyous, des bonnes, pour désigner ici qu'on est dans un parc où personne ne travaille, où tout le monde se repose. Maintenant, nous allons nous intéresser au cadre dans lequel évoluent les personnages. Alors, le tout début est intéressant puisqu'on est place de la gare à Charleville. Charleville-Mézières, c'est la ville natale de Rimbaud, là où il a grandi. Effectivement, on voit la dimension autobiographique du texte. Ensuite, donc, on reprend la place, le square, les pelouses, les arbres et les fleurs, le jardin des premiers rangs. Où est-ce qu'on a encore des mots qui nous intéressent? Les bancs verts. Sûrement un bac à sable pour enfants, encore les bancs. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit de repos où tous les personnages sont oisifs et peut-être qu'ici, Rimbaud doit les désigner de manière assez péjorative puisqu'ils sont tous en inactivité. Si maintenant nous nous intéressons au relevé que nous avons fait, nous voyons que nous sommes dans un parc avec des personnages caractérisés par une classe aisée et ils sont montrés de manière très péjorative. Je vous prends quelques exemples. Bourgeois poussif, des clubs d'épiciers qui tisonnent le sable, un bourgeois à bedaine flamande et la femme du rentier, les gros bureaux bouffis traînent leurs grosses dames. C'est-à-dire que ici, on a la corpulence qui est associée à l'opulence, la richesse, et leur caractérisation qui est commune, c'est l'oisiveté, ne rien faire. Que peut-on garder dans le long poème de Rimbaud? On a la bourgeoisie qui est critiquée, et la critique se fonde principalement sur l'oisiveté et la suffisance.